dirait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Ce que les gens aiment, c'est lorsque je fais des improvisations à partir de 5 mots que j'utilise dans le dictionnaire. C'est ce qu'on va faire. Ah ouais, l'épée. Ok, tu parles du dictionnaire. Non, on parle de toi. Ok. On va commencer par le premier mot. C'est au hasard. Hein? J'ai le dictionnaire ici, le Robert. Je vais vous dire de quelle année. On vous l'a déjà stipulé il y a quelques mois quand j'ai commencé à faire cette haute Stradivarius. Non, ça, c'est un violon. 1990, c'est un vieux dictionnaire, mais il est quand même, il y a toutes ses pages, puis il y a même, comment ça, son couvercle, oui. Monsieur, t'as des mots que tu perds, alors je perds tout. J'ai perdu 20 piastres. Alors, le mot, c'est coupant, premier mot coupant, j'en choisis 5, OK? Coupant. Là, dans l'improvisation, je ne le ferai pas en ordre, là. Quoi qu'on sait pas, coupant. On va voir ça, coupant, T. Ensuite de ça, ça va bien vous, les enfants? Bon, vous les avez lavés? Mettez-les dans le sécheuse. Il est 2h du matin. 2h moins quart, 1h30. Bon, c'est pas le temps. Culotté. Oh, c'est bien ça. Culotté. Culotté. C'est comme la chanson de Raymond Lévesque. Hein, il y a un vieux 1$. Oh, dans le dictionnaire, c'est pété. Oh, ben tiens, on va reprendre. Excusez-moi. Parlez entre vous, là. À travers le 1$, il y a déchirement. Mais il ne faut pas le déchirer, le 1$. En plus, il est fait en 67. La date de. Hein? Déchirement. La date de quoi? La date où on l'a déchiré, le truc. Déchirement. Déchirement, chelevez-vous. On verra votre pantalon. Excuse. Excuse. Hey, ça me semble. Puis on va aller vers la fin, parce que les gens vont dire que c'est trop facile. Avec un Z. Hein? On va choisir quelque chose avec un Z. On triche un peu parce qu'on ne doit pas Z, X, Y, Z. C'est à la fin Z, hein? OK. Mais il faut que je regarde si ça existe. Puis que ben, ça existe, c'est dans le dictionnaire. Mais si je ne la connais pas, il faut que je lise un peu la définition. On va aller avec... Bon, non, celui-là, c'est facile. Les gens vont dire, oh, ben oui, Zest. Moi, j'avais vu Zest, mais je ne prendrais pas Zest, c'est trop facile. On va prendre... Oh, Zizi. Oh, une chanson de Pierre Perret. Il avait un petit Zizi, Zizi. Il est venu de Somalie, Gigi, c'est pas celle-là, c'est tout, vous offrez tout, tout. Bon, c'est pas du lieu, non. Et puis, c'est quoi Zodiac? Non. Zonier. Alors, Zonier, c'est une zone autour de Paris. Oh là, ils vont dire que je suis francophile. Alors, on arrête là. Zophore. Oh, t'as un peu Zophore. Frise de... Et c'est petit, ça. De l'entablement qui porterait l'origine, une décoration. Oh, mais c'est trop complexe, ça. Zoosophre, zootaxie, systématique zoologie. Parle entre vous, là. Zygiène, ah, zygiène, tiens. Nom savant du requin-marteau, OK? Zygène, Z-Y-G-E-N-E. Zygène. Je pense qu'on va faire un gag là-dessus. Zygène, je la connais déjà. OK, on y va. Les mots sont les suivants. Coupant, culotte, déchirement, excuse et zygène. Ah ouais, mais regarde, je reviens de l'école, là. Mais je suis fait coller. Ah oui, les étudiants m'ont dit, oui, on touche au robinet, il n'y a pas d'hygiène. Il faut faire attention, faire couler l'eau, parce que sinon, on va attraper des microbes. Il faut être hygiénique. Puis là, il n'y a pas d'excuse. Puis je sais que dans toute cette phrase-là, dans toute cette vision-là de la propreté, il y a un déchirement entre le bon et le mal. C'est peut-être un peu trop culotté, puis je les enlèverai pas, mes culottes. C'est un dossier coupant. On les a tout dit. Coupant, culotte, déchirement, excuse et hygiène. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On chante un petit peu. Non, on va passer le temps. Pour passer le temps, je chante. Je faisais ça à l'école en secondaire 5, le vendredi. Le professeur me plaçait 20 mots de vocabulaire, quand même assez complexe, là, comme combien de saucisses, daguerreotype. Hein? Extradiégétique.
Ensuite de ça, diachronie. Puis là, on devait apprendre ça pendant la fin de semaine. Puis là, lundi, il y avait dicté. Là, je faisais une phrase avec les 10 phrases ou les 20 phrases qui étaient au tableau. Ah, j'avais un succès bœuf. Le professeur aimait pas ça, là, mais c'était pendant la pause. Et on disait, Rénal, dis-nous ta phrase magique. Je lui disais, Perlimpinpin, inspire-moi, s'il vous plaît, Perlimpinpin. Entre dans ce vilain crâne, Perlimpinpin. Puis là, il avait peur, bien sûr, il voulait pas rentrer là-dedans, les cheveux étaient touffus. Ça fait peur lorsqu'on voit un touffu. On dit, voyons, là, c'est la zone grise. C'est la mi-zona. Il n'y a pas de zona là, là. C'est agricole. Ah, mon Dieu, c'est oui, gardez-moi ça. Une rangée de cravates, une rangée de crêpeux. Une rangée de cravates, une rangée de crêpeux. Mais quand il y a trop de crêpeux, ça crépite. Hein? On va mettre le feu là-dedans. Là. C'est sec, 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 sec. À cette heure-là, plus il y a de sexe, plus il y a de sec. Quoique les sectes... Oui, il arrive souvent là-dessus, là, hein? On se couche sur le sujet. Raël n'est pas une secte en passant là. C'est un mouvement. Il y a en haut, en bas. Raël, Raélien, Raël, Raélien. À gauche, à droite, à gauche. Allô Jimmy, je t'aimais bien. Allô Jimmy, je t'aimais bien, tu sais. On n'était pas du même camp. On n'était pas du même chagrin. Mais on cherchait le même chant. Le chant de l'amour, le chant du succès, le chant du bonheur, le chant universel de l'amour, le chant qui nous amène lentement et sûrement vers le plaisir de vivre avec nous et pour nous. Amen. Et c'est beau ça, merci. Et depuis quelques temps, je me remémore des chansons de M. Moustaki. Il est mort il y a 2 mois et demi. Et je vous faisais souvent cette mélopée de mon ami Georges. Avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque et mes cheveux aux 4 vents. Avec ma bouche qui a mordu, caouiré, mordu, qui a jamais souvir sa faim. C'est quoi ça? Avec mon cœur qui a souffert, souffrir autant qu'il a souffert, sans pauvre l'aspère d'histoire. Avec mon âme qui a bu la moindre chance du salut, sans éviter le purgatoire. Merci à l'écho de moucher les mots. Avec ma gueule, moucher les mots, ben oui, moucher les mots. On couche, on masque, mais moi je mouche les mots. Et ça fait mouche. Ils ne savaient pas avant que tu le dises. Hey, dans leur tête, voyons, là, ça, c'est pas les paroles de M. Moussmaki, de Soutabi. M. Fabi, êtes-vous là, monsieur? Oui, c'est un affront envers le chanteur que tu aimais tant. Puis je lisais le lendemain de sa mort à Georges, je dirais pas le journal, mais un journal respectable et que je respecte. Mais ils n'ont pas fait leur devoir. Oh, on peut comprendre, hein? On voyait une photo de Barbara et Moustaki en disant que c'était des grands amis en 86. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y avait une grosse chicane. Puis, ils ne se parlaient plus. Et Moustaki a écrit une chanson qu'il a fait chanter par Serge Reggiani. Et je sais pas si je vais vous dire le titre, mais si vous êtes sur mon Facebook, je vous l'ai raconté. Sinon, vous pouvez devenir mon ami Facebook si vous êtes branché sur Internet. Sinon, envoyez-moi une lettre à CKRL 405 3e Avenue. Il n'y a pas d'appartement. Vous placez Errance Rénaldienne, Rénal Gagné, si vous êtes encore en mode écriture. Là, ça, c'est merveilleux. J'adore ça. Mettez du parfum parce que quand j'ouvre, là, je veux avoir des arômes, oui, monsieur. Arôme qui? Arôme Pinochon, c'était mon professeur de ukulélé. Puis c'est lui qui m'a appris, à l'âge de 12 ans, que pour être un virtuose, il faut se donner des obstacles, des handicaps comme au golf. Comme Tango Winner, là, le joueur de banjo, là, lui, il avait juste 4 doigts au lieu de 5. C'est pour ça qu'il jouait comme ça. Là, mon professeur de ukulélé, il dit, OK, il va te péter des cordes. Oh non, il pète des cordes, puis je ne l'ai jamais vu. Mais en fait, ça fait 5 minutes. Et non, va te péter des cordes pour te faire comprendre que devant peu de son, faut que tu en évacues pas mal. Alors, sur 2 cordes, puis
deux cordes raides. Ah, mon, j'ai peur, il va faire un crime. Deux cordes raides, tu vas me jouer le prélude de Beauvin. Voyons donc, c'est vache, ça. C'est très vache. Prélude de Beauvin en fimamol. Ah, mon Dieu, ça, c'est un nouveau fromage. Écrémé, écrémé. Ah, c'est en gouttelette ou vous voulez nature, gouttelette? Bon, moi, je demanderais quand même la texture la plus crémeuse. OK. On y va? On y va. Les gens sont pas prêts pour ça. Bien, écoutez, on va les préparer. OK, on y va. On va arrêter de dire ça, puis allez-y. On appelle ça aussi distorsion sans... Les oreilles s'en vont, ils ne reviendront plus. Ça va être en vente entre l'album de Céline Dion et de qui? De Lika Zaraï? Non, c'est quoi? Je ne veux pas quelque chose de pire que Patrick Bruel, tu sais. Francis Cabrel, ou peut-être. Si vous ne pouvez pas le trouver, ben envoyez-moi quelque chose, un message, et je vais vous l'envoyer. On le refait pas? Non? On n'a pas le temps. C'est votre problème, si vous avez... Non? C'était une œuvre extraordinaire. Vous voulez la louper? Loupez-la! CKRL, cultive tes goûts.